Hello, hello, comment va? Bon, j'espère que vous avez la forme. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, je vous avais testé l'excellent Oppo Reno 6. Au passage, si vous n'avez pas vu le test, hein, je vous invite à aller le checker, je vous mets tous les liens en bas dans la description. Et bien, vous savez quoi? Aujourd'hui, on reçoit son grand frère, l'Oppo Reno 6 Pro. Alors, comme la version standard, cette version met aussi l'accent sur toute la partie photo, vidéo, avec notamment l'intégration de nombreuses fonctions vidéo. Donc pour celles et ceux qui adorent réaliser des mini-clips, hein, comme sur TikTok par exemple, ça sera parfait. Et en parallèle, en photo, on part également sur de très bonnes bases. Vous avez le capteur principal. C'est le même capteur principal que le Oppo Find X3 Pro, l'ultra haut de gamme de la marque. Hein, c'est le Sony IMX766, un capteur principal stabilisé. Bref, nickel aussi. Après, ce smartphone ne se résume pas qu'à cela non plus. Vous verrez, il y a d'autres arguments qui viennent un peu étoffer l'expérience qu'on va voir petit à petit. Si pour vous, le design a une part importante lors de votre achat pour un nouveau smartphone, eh bien je vous dirais ici, hein, franchement, ce Oppo Reno 6 Pro, il est réussi. Ben, à vrai dire, Oppo est généralement très bon sur l'esthétique visuelle de ses smartphones. Que ce soit sur la gamme Oppo Find X3, voire sur cette gamme Reno, dans l'ensemble, les smartphones sont réussis. Belle dalle incurvée à l'avant, un dos doté d'une très belle finition mate brillante, hein. C'est ce que la marque a baptisé ici un revêtement en verre Oppo Glow. Bref, j'adhère. Et le petit plus, hein, si vous êtes allergique aux coques, le revêtement arrière ne laisse aucune trace de doigt. Good job. Dans la continuité, la prise en main est du même acabit, le smartphone est facilement manipulable, on est sur un poids relativement bien maîtrisé de 188 grammes, bref, il rentrera facilement dans votre poche et vous pourrez même l'utiliser à une main sans souci. La gamme Reno 6, comme je vous l'ai dit en intro, met cette année l'accent sur, voilà, sur la partie photo-vidéo. Allez, commençons par la partie photo. Pour un smartphone de cette gamme de prix, honnêtement, ici, on a une panoplie, une configuration assez complète. Vous avez un capteur grand-angle de 50 mégapixels stabilisé, un ultra grand-angle, vous avez un zoom optique qui peut monter jusqu'à x2 en optique et jusqu'à x20 en hybride, et on finit par un capteur macro. Concernant la qualité, alors comme vous pouvez le voir, le capteur principal, franchement, restitue de très belles photos, quel que soit le contexte en plein jour. On a plutôt une bonne gestion de la lumière qui est bien assurée. On a des résultats assez homogènes en termes de qualité, en termes de piqué. J'aurais peut-être, après ça reste à mes yeux, j'aurais peut-être légèrement boosté le contraste pour donner, voilà, plus de tonus au cliché. Après cela, voilà, ça reste encore un avis personnel. Pour l'ultra grand angle ensuite, on perd un peu poil en qualité avec une légère dérive des couleurs par rapport au grand angle. Bon, après, ça reste tout à fait normal pour ce type de capteur. Côté zoom maintenant. Alors, la qualité, franchement, elle est ici respectable avec de belles photos propres et nettes. Vous pourrez monter jusqu'à x10 en hybride avec des photos qui restent tout à fait exploitables. Bref, un zoom qui s'en sort plutôt bien. De nuit, cette version Pro offre de bons résultats, bon, pas transcendant non plus. Le mode nuit avec un temps de pose plus long ajoute plus de lumière sur les zones d'ombre, plus de netteté aussi comme vous le voyez, et une colorimétrie un poil meilleure. Si vous kiffez ensuite retoucher vos photos, il y a également pas mal d'ajustements possibles. Vous avez notamment le réglage de la luminosité, le contraste, l'exposition, pas mal de filtres aussi, ainsi qu'un mode intelligence artificielle, et j'en passe. Passons les amis au mode vidéo qui mérite aussi une petite attention. Alors déjà techniquement, vous pourrez filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde avec le capteur grand angle. On retrouvera aussi pas mal de fonctions vidéo intéressantes comme le mode dual view. Bon, ça c'est sympa pour les vlogueurs. Vous avez également un mode timelapse, le mode film et la nouveauté de cette année, vous avez le mode vidéo portrait. Hein. Tout simplement, ça va être le même procédé que la photo portrait, c'est-à-dire que le smartphone va générer, enfin, va simuler un flou d'arrière-plan lorsque vous allez filmer un sujet. À noter entre parenthèses que c'est tout simplement la même fonction qu'intègrent les tout nouveaux iPhone 13. Globalement, ici, le smartphone arrive à peu près bien à isoler le sujet si ce dernier ne bouge pas trop. Et encore, le détourage n'est pas parfait, bon, c'est pas mauvais non plus. Il faudrait légèrement retravailler à mon goût le flou d'arrière-plan qui n'est pas très naturel. Mais pour une première, c'est correct. Il y a quand même une marge d'évolution qui est quand même assez notable pour la suite. Hein. Vous pourrez également utiliser cette fonction vidéo portrait avec le capteur selfie, mais honnêtement,
ça sera légèrement moins convaincant. La partie multimédia ne laisse aucune place au hasard aussi ici, franchement, c'est pas mal hein. Si vous passez de nombreuses heures à mater des vidéos, et ça je sais qu'il y en a parmi vous, ou encore à naviguer, ce smartphone, cet écran sera vraiment parfait. Vous avez une très belle dalle de 6,5 pouces, un format 29e, techno bien évidemment AMOLED, résolution Full HD+, on a un écran lumineux avec des pics de 1100 nits, il est compatible également HDR10+, HD pour Netflix, pour Prime Video, bref, la totale, c'est nickel. Vous avez également du 90 Hz, donc nickel pour la fluidité de vos animations, il est juste dommage qu'Oppo voilà, ne soit pas monté jusqu'à 120 Hz, et là nous étions quasi parfaits. Bref, pour consommer du contenu, pour naviguer, franchement, excellent. Côté son, vous avez également un double haut-parleur sur la bordure inférieure ainsi qu'au-dessus. Vous avez une très bonne restitution pour une bonne immersion vidéo, un son qui est, voilà, qui est bien équilibré, vous avez un bon niveau sonore, il est juste dommage qu'Oppo n'ait pas intégré voilà, une seconde grille au-dessus pour éviter qu'il y ait un petit son légèrement étouffé. Pour les tâches un peu plus poussées, plus gourmandes en ressources, Oppo a eu la très bonne idée d'opter pour le second processeur le plus véloce, le plus rapide du moment, le Snapdragon 870. Il est couplé ici à 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage au passage non extensible. Techniquement, c'est un processeur ultra véloce, ultra performant. Il répondra quasiment franchement à toutes vos sollicitations sans broncher. Pour les gamers, vous pourrez même faire tourner les derniers jeux, les PUBG, voire les Genshin Impact. Et en parlant de ce dernier, vous pourrez jouer avec des settings 30 FPS et graphisme au max, no problème, il tourne avec fluidité. Vous pourrez même tutoyer les 60 FPS, bon avec quelques ralentissements de temps en temps, mais franchement, ça le fait très bien. Très brièvement, si l'interface Oppo ne vous dit peut-être rien, on sait jamais. Alors, je l'ai déjà testé sur le Oppo Reno 6, donc si vous n'avez pas vu le test, je vous invite à aller checker, c'est exactement la même. Globalement, c'est une surcouche que je trouve aujourd'hui très agréable à utiliser au quotidien. Étant assez personnellement fan de customisation, ici, on est servi. On a un onglet qui est baptisé en plus personnalisation, donc vous pourrez ici tout paramétrer. Et ça, j'adore. On notera en petit défaut quelques petites applications préinstallées de base. Inutiles à mes yeux, bon, on pourrait bien évidemment les désinstaller. Mis à part ça, nickel. ColorOS. En plus, il y a bientôt la nouvelle mise à jour qui va être effectuée, donc restez bien connectés si vous n'avez pas encore fait. Pensez à vous abonner. Vous voulez de la rapidité de recharge, vous serez servi ici. Alors, sans atteindre non plus la toute dernière recharge ultra rapide de Xiaomi 120 watts, on est tout de même pas mal ici. Oppo intègre cette fameuse supercharge rapide SuperVOOC 2.0 recharge 65 watts. Comptez à peu près 30 minutes pour recharger les 4500 mAh. 30 minutes, franchement, c'est très rapide. Concernant l'autonomie en elle-même, vous pourrez tenir à peu près en usage basique un jour et demi, donc on est sur une moyenne tout à fait standard. Petit point à noter qui m'a légèrement, bon, qui m'a un tout petit peu déçu, il est dommage qu'Oppo n'ait pas intégré au niveau du taux de rafraîchissement un taux adaptatif, voilà, cela aurait permis de gratter quelques minutes sur l'autonomie. Un poil dommage. On notera aussi que le smartphone est compatible Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 et vous aurez également bien sûr toutes les bandes 5G. Difficile de trouver une mauvaise note à ce Oppo Reno 6 Pro. Franchement, c'est un smartphone qui remplit parfaitement sa mission. Dans l'ensemble, il m'a plutôt convaincu. Oppo l'a présenté lors de son annonce officielle. Voilà, avec de nouveautés, avec pas mal de nouveautés sur les fonctions photo, vidéo, mais ce smartphone, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne se résume pas qu'à cela. Vous avez un très bel écran, des performances haut de gamme, un design réussi, de la recharge ultra rapide, une expérience utilisateur franchement tout à fait convenable au quotidien. Bref, c'est un smartphone complet, équilibré. Lancé à 799 €, il y a juste sur ce point où j'aurais peut-être vu Oppo faire un tout petit effort, mais comme d'habitude avec les smartphones Android, ça décote, voilà, ça décote assez vite. Donc si ce smartphone vous intéresse, soyez un tout petit peu patient si vous n'avez pas forcément le budget. Et voilà les amis, on a fait un petit tour de ce Oppo Reno 6 Pro. J'espère que vous avez apprécié ce test. Est-ce que ce smartphone vous fait kiffer ou pas? N'hésitez pas à envoyer
tous vos avis dans l'espace commentaire juste en bas, toutes vos questions aussi. Vous avez apprécié, on envoie également le gros pouce bleu, on partage la vidéo. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait, pensez également à vous abonner, à activer également la petite cloche de notification juste en bas pour ne rien rater par la suite des tests qui vont arriver, etc. Sur ce, je vous dis bien sûr les amis, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao!